Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouveau tuto. On va faire un petit virtuel alarme pour activer et désactiver l'alarme et on verra comment activer l'alarme en fonction de notre virtuel membre présence que l'on a fait sur une précédente vidéo. Allez, donc on se connecte. Pas besoin de plugin particulier. Donc, on va aller directement créer notre virtuel alarme. Donc là, hop, on va dans virtuel. On fait ajouter un virtuel. On va l'appeler activation alarme. Alors moi je mets toujours un petit V devant. Hop, et j'attache les deux. Hop, voilà. Activation alarme. Donc on va le mettre dans l'objet sécurité. Activer visible. Alors ça sera pour la sécurité, on a dit. Donc au niveau des commandes, on va faire comme d'habitude. Donc déjà en sauvegarde, on va ajouter deux commandes virtuelles. Donc une activer, une désactiver. Donc c'est des commandes action défaut. Ici on va l'appeler comme la dernière fois état. On va mettre la valeur de 1 pour activer, 0 pour désactiver. Maintenant on sauvegarde, il va nous créer automatiquement la commande état qui est ici. Donc là, on sélectionne notre état et notre état là. Pareil, valeur 1, valeur 0. J'avance un peu vite, hein, on les a fait déjà sur précédente vidéo. Donc le but, c'est quand même d'aller assez vite. On sauvegarde. Maintenant, dans l'état 1, on va aller sur la petite roue crantée à droite. Et là, on va aller dans configuration. On va mettre type générique, un truc sirène, un bouton on, voilà. Et on va mettre action à exécuter après la commande. Donc on va faire ajouter, on va faire comme on a fait sur un autre tuto scénario et là on va lancer, moi je l'ai appelé ouverture, voilà, mais vous pouvez l'appeler comme vous le voulez. Donc je l'ai appelé ouverture, j'enregistre, voilà. Donc on va faire activer, pardon, voilà, donc on met le scénario, on l'active, on ferme, maintenant on va sur la commande off, donc désactiver, on fait la même chose, configuration. Hop, là, je l'appelais sirène bouton off. On ajoute, pareil, scénario. On sélectionne votre scénario alarme et hop, je la désactive complètement. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, si je vais, donc, je vais aller sur scénario ici pour que vous puissiez voir le scénario. Donc, vous voyez que mon alarme, donc, qui s'appelle ouverture ici, elle est désactivée. Maintenant, si je vais sur mon virtuel que j'ai mis dans sécurité, hop, et ben alors, tac, ok, on va faire autrement, c'est parce que je me suis déconnecté. Donc, mon virtuel qui est ici, hop, je vais faire comme j'ai fait la dernière fois. Ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Donc là, vous voyez que mon scénario, il est désactivé. Si j'active mon alarme, vous allez voir, hop, le scénario va être activé. Si je désactive, donc mon état passe à zéro, je réactualise, le scénario est désactivé. Donc voilà. Ça, c'est pour l'activation de l'alarme. Maintenant, on va faire en sorte que cet état change automatiquement en fonction de notre présence dans la maison ou pas. Donc, pour cela, on va retourner en grand écran ici. On va aller sur notre virtuel. Les virtuels que nous avons créés dans les tutos précédents. Donc, les virtuels de présence. Ce qu'on va vouloir, c'est qu'à chaque fois qu'on change d'état, on change la commande de l'alarme. Donc, avant tout, il va falloir créer un scénario, pardon. On va créer un scénario dans scénario journalier. On va faire un nouveau scénario. On va mettre présence. Après, ça vous le changez, hein, vous l'appelez comme vous voulez. On va le mettre dans sécurité, présence, groupe du scénario, sécurité. Hop, voilà. On va le sauvegarder. On n'a pas besoin de l'action. C'est pas très grave. On va ajouter un bloc. Ainsi, alors, sinon. Donc, on va vérifier que nos deux virtuels de présence,
donc qui sont moi dans membres. Donc virtuelle présence état égal à 1 ou deuxième état égal à 1. Voilà, vous faites ça pour tous les membres que vous avez. Donc voilà, donc si mon présent, si ma présence moi ou la présence de ma femme est égale à 1, alors action. Donc là, on va sélectionner notre virtuel qui est dans sécurité. Virtuel alarme est égal désactivé. On est bien d'accord, on est présent, donc on n'a pas besoin de l'activer. Sinon, action, et là on fait virtuel égal activé. Donc on est bien d'accord, si on est présent, on désactive l'alarme. Si on n'est pas présent, on active l'alarme. Hop, donc le virtuel, hein, je répète. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, donc, nous retournons dans nos virtuels de membres, donc nos virtuels de présence. Et ici, nous allons dans la commande et après dans le réglage de la commande état. En configuration, nous allons voir, on va prendre s'il est différent de 2. Comme je vous ai dit dans les différentes vidéos, vu que de toute façon, il a un état 0 ou 1, comme ça, il se lance à chaque fois qu'il change d'état. S'il est différent de 2, on lance un scénario qui s'appelle donc... pardon, on lance pas un scénario, excusez-moi, hop, je dis des bêtises. Si, si, on lance un scénario qui est le présence. Alors, scénario présence, hop. On lance le scénario présence, donc on l'exécute, start. Ensuite, on enregistre et on fait la même chose pour le... pour le l'état de toutes les personnes que vous avez dans votre habitation. Donc pareil, hop, là je vais sur le deuxième, peut-être c'est pas le bon, voilà. Le deuxième, hop, enfin, ça c'est avant la commande, supprimer, je fais des bêtises. Ajouter, donc scénario. Et je lance donc le scénario de présence. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'état va être rafraîchi, donc sur vos différentes présences, il va changer l'état, il va vérifier et changer l'état de l'activation d'alarme. Donc maintenant, hop, on va aller dans sécurité. Donc sécurité, pardon. Donc là, on va aller sur scénario dans une nouvelle, dans un nouveau lien. Vous allez voir. Le scénario journal est présence. Ah bon, je l'ai mis dans sécurité, enfin c'est pas très grave. Donc il va exécuter à chaque fois cette demande. Hop. Donc on va aller dans le virtuel, donc dans mes membres. Membre et notre idée. Bon, on va faire par 1. Alors, membre. Donc là, mes membres sont égales à 1. Donc on est bien d'accord, vu qu'ils sont présents, mon alarme est désactivée. On est bien d'accord. Ce qui est le cas là. Si je mets à 0. Donc là, vous voyez mes états qui vont passer à 0 tous les deux. Et normalement, vu que le scénario a été lancé automatiquement derrière, vos ouvertures sont activées. Donc je repasse en présent. Si j'en passe qu'un seul en présent, le scénario ne change pas. On est bien d'accord, parce qu'il y a bien une personne présente. Donc je vous confirme ça de suite. Donc, ah, donc il faut que je regarde... Ben oui, je vous dis des bêtises. Allez, donc on reprend donc là au niveau de la sécurité. Donc vous êtes bien d'accord que si on est tous les deux absents, vous allez voir, notre activation d'alarme passe à 1 automatiquement. Hop, j'attends la fin de chargement. Voilà, notre activation passe
1. Maintenant, s'il y a une personne présente, notre activation d'alarme va passer à 0, comme elle vient de le faire actuellement. Et si donc j'ai les deux personnes présentes, forcément, elle reste à 0. Donc, elle restera bien à 0. J'attends la confirmation. Et si ma deuxième personne est absente, ça ne changera toujours rien. Il va lancer le scénario, mais l'état restera toujours le même. Donc, on va juste checker le scénario pour confirmer. Donc, le scénario, c'était notre scénario présence. Donc, notre scénario présence, si je vais dans mes logs, hop. Donc, il a bien, la dernière fois, il y en a bien un qui était 0 et un qui était égal à 1, donc c'est bien vrai. La deuxième fois, ils sont tous égal à 1, donc c'est bon. Donc, au final, c'était bien, le scénario était bien. Donc, voilà. Ça, c'est juste une petite chose. Donc, ça vous permet d'activer votre scénario, vous voyez, sur présence, qui est quand même beaucoup plus simple. Ou alors, directement, comme vous pouvez le voir ici, si je veux l'activer à la main, directement. Donc, voilà. C'est tout pour moi. C'était une petite vidéo pour la gestion de activation de l'alarme sur gestion de présence. Ce soit beaucoup plus simple et automatique, tout en ayant la possibilité de l'activer manuellement. Allez, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous avez besoin ou des questions, des suggestions de tutos. Bonne journée à vous.